Le spectacle sauvage, il part d'un rêve d'abord, un rêve d'évasion, un rêve de libération. L'idée en fait, c'est de pouvoir faire vivre au spectateur et de vivre avec le spectateur une expérience en fait de ce qu'est la sauvagitude, on va dire, ou de ce que ça sera, qu'est-ce que c'est que d'ouvrir ses antennes aussi et de les ouvrir au théâtre. Un genre de science-fiction d'aujourd'hui, un thriller, une expérience sensorielle et surtout un truc très positif et joyeux. On connaît tous le mot thriller en fait, il y a une tension dans un thriller, il y a du suspense, il y a une avancée, il y a une quête. Et dans éthologique, c'est le mot, tout ce qui est le comportement du vivant, de l'humain, du non-humain, de la faune, de la flore. Donc ça va être un thriller, en fait, une enquête sur le vivant.